Marie Stuart est condamnée à mort. Sur ordre de notre souveraine Elisabeth, reine d'Angleterre. Comment en est-on arrivé là? J'ai eu des nouvelles. Le roi François est mort. Votre cousine Marie est revenue pour régner sur l'Écosse. C'est une femme redoutable, madame. Donc elle se prépare à la guerre? Pas du tout. Certes, je commande des armées, mais dites à ma cousine que nous prions pour rester en paix. J'espère que nous nous rencontrerons pour pouvoir sceller nos destins. Regardez la vérité en face, madame. C'est une prétendante à votre trône. Je devrais détrôner une reine qui m'est apparentée. Une guerre civile éclatera soit là-bas, soit ici. Un fléau s'est abattu sur notre terre. Une femme qui porte une couronne. Qu'en dit son frère? Son allégeance nous est acquise. Ils n'ont pas d'appétit pour la guerre. Alors ouvrons-leur l'appétit. Ce que les hommes sont cruels. J'essayais simplement de faire l'unité de ce pays. Mais ils veulent s'emparer de ma couronne. Une meurtrière, une traîtresse. Et reine. Mais je serai la femme qu'elle n'est pas. Nous mettons au monde un héritier au trône d'Écosse et d'Angleterre. Notre rencontre est secrète. Si vous en parlez, je nierai tout. Acceptez d'être la marraine de mon fils. Acceptez d'être ma sœur. Marie est notre ennemie. Nous ne nous inclinerons pas devant elle comme nous le faisons devant vous. Vous ne pouvez pas lever une armée. Vous doutez souvent de ce que je suis en mesure de faire. N'entrez pas dans leur jeu. Votre cœur vaut mieux que les hommes qui vous conseillent. Vous devriez mesurer vos propos. Je refuse de me faire tenser par une inférieure. Une inférieure? Si vous choisissez de me tuer, vous tuerez votre sœur. Et vous tuerez votre reine. Comment en est-on arrivé là ?